Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo nouvelle map puzzle, on a Puzzlab et aujourd'hui on est accompagné par deux joueurs que vous ne connaissez sûrement pas ou peut-être que vous avez vu dans les records des maps puzzle, mais du coup on a AAB, bonsoir AAB. Et bonsoir. Et salut Profort. Salut YouTube. Ouais, alors par exemple, ça c'est un des trucs que je sais pas, c'est comment on dit ton pseudo, est-ce qu'on doit dire autre chose quand c'est... Alors... Ça part juste d'une volonté de rename pour que mes collègues puissent m'ajouter, et donc j'ai changé mon tag, mais après avoir changé mon tag, j'ai 6 mois avant de pouvoir le changer à nouveau, et je me suis rendu compte que c'était le nom qui était attribué du coup dans le jeu derrière, alors que c'était juste mon pseudo, moi initialement juste pour me faire ajouter, je pensais pas que c'était... Et donc là j'ai 6 mois avant de pouvoir changer à nouveau mon pseudo, donc je vais mettre un truc qui est un peu mieux quoi, là c'est littéralement mes initiales et ma date de naissance quoi, donc ça... tu peux dire Axel du coup. Ok, du coup Axel. Alors vous pouvez commencer, je suis sur le serve, c'est tout bon, ça part. Là il y a... Excuse-moi, mais il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, on pensait que c'était la rallye nous. Ah bah oui, c'est vrai. Du coup, tu prends la... Parce que moi, je m'étais échauffé pour la rallye, mais pas pour la snow. Du coup, vas-y, je te laisse la snow. Ah, désolé, que de mauvaises nouvelles, du coup. Mais non. On s'adapte. Vas-y, respawn un coup, s'il te plaît. Merci. Ah ouais, bah vous pensiez que c'était vous pensiez que c'était rallye. Non, bah... Ouais, ça, c'était encore une des maps qui était en cours de création, enfin... c'est Yogg du coup, si vous connaissez. Profite bien de la vidéo. Merci Yogg, Eva pour les 108. Oui, on l'a vu plusieurs fois sur les maps coop aussi. Ouais. Ou même d'ailleurs sur les Annex of the Week ou les Bank Up, etc. C'est vrai qu'on commence du coup à participer à ce genre de choses aussi depuis qu'on a commencé à, bah, oui. à jouer. Justement, on peut en reparler rapidement. Sûr. Du coup, tu m'expliquais, avant que je lance le record YouTube, tu m'expliquais comment t'as commencé à jouer, toi, du coup, c'était avec Mindor? Ben, c'est ça. D'abord, j'ai regardé tes streams, petit à petit, puis j'ai commencé à aimer le principe des maps RPG et Pathfinding, principalement. Et toi, tu annonçais un gros projet à ce moment-là. J'avais joué déjà en mode free-to-play à une campagne précédente, et j'attendais... une occasion en fait de me lancer sans doute avec un copain ou une occasion tout court de me lancer. Et toi juste là, à ce moment-là, tu annonces la sortie de Mine d'Or sur laquelle tu avais travaillé un long moment puisque tu l'as annoncé un petit moment avant quoi. Et c'est à la sortie, moi ça m'a motivé vraiment à sortir, bah, acheter le jeu pour pouvoir découvrir la map en même temps que tout le monde. C'est vrai que j'avais vu un tas de personnes se lancer là-dedans. J'avais un peu sous-estimé le niveau puisque j'ai mis... quasiment 4 heures pour finir la map. Attends, mine d'or ou laquelle? Oui, mine d'or. Bah attends, mine d'or, 4 heures, c'est vraiment bien. Oui, ça va. Ça va qu'il y avait des ghosts aussi qui m'indiquaient un peu le chemin parce qu'il y a un paquet de fois où je me suis servi des autres pour pouvoir trouver le bon pass. Parce que c'était vraiment ma toute première map, ma première expérience du coup... Pathfinding, un petit peu, parce qu'il y a un peu de Pathfinding, l'air de rien, il y a des cul-de-sac, enfin, il y a des moments où tu as l'impression qu'il faut aller à droite, mais en fait, il y a un tout petit passage caché, donc j'ai beaucoup aimé, ça a été vraiment une super expérience, et de là, mais moi j'ai complètement adhéré au mode RPG, au mode Pathfinding, j'ai même essayé de faire avec vous les Pathfinding qui étaient sortis par Tom, qui étaient vachement durs. Mais ceci dit, désolé de te couper encore une fois. Vas-y. Mais Profort, t'arrives à écouter et jouer en même temps ou... ça a commencé. Oui, ça a commencé, il a lancé le live. Moi, je pensais qu'on faisait les présentations, mais t'as encore joué. Ah non, bah on joue en même temps, tu vois. Ah non, par contre, moi je peux pas. Ah non, moi je sais faire qu'un truc à la fois. Allez, bien. Je crois que tu peux me rejoindre là en fait. Tu peux me rejoindre, tu peux monter ici en passant par par là-bas toi. Je suis pas sûr. Moi ici je peux venir me foutre et te faire passer je pense. Et donc si tu arrives à me rejoindre ici, je suis venu en marche arrière avec le petit tremplin là-bas en face. Ça peut passer. Mais attends, parce que je vais attendre. C'est ça, prends ce petit tremplin et essaie de me rejoindre. Mais je sais pas si tu auras aspect dissolupide pour. Il y a quoi là-bas? Je vais venir t'aider à chercher. Ouais, parce il y a un passage là, c'est bon. J'ai compris que Axel parlait beaucoup. Mais il n'y a aucun problème. Franchement, j'aime beaucoup l'énergie et vous avez l'air super cool, ça fait trop plaisir. Mais c'est vrai que Lucas, à partir du moment où il faut focus quoi. Il faut faire les deux à la fois. Je pense que c'est à toi de venir te foutre là où je suis allé, Lucas, pour pouvoir me faire un petit pont et.
et me permettre de passer ça. Juste là, là. C'est mais pas très sûrement ça. Un nice slide. Ça... Non, non, non. Quoi? La partie glace là, viens, viens, suis-moi. Vas-y, prends-le par la main parce que. C'est la première fois que je le sens sans ton écran aussi. Vas-y, ah oui, parce que vous êtes habitué à. Exactement. Ah ouais. On a un partage d'écran toujours, donc ça permet de ah, est-ce que tu veux que je peux vous donner les droits pour faire un partage d'écran dans le non, channel c'est, si c'est. C'est bon, t'inquiète. Ça va, pour cette fois-ci, on fera ça. C'est rigolo aussi de voir. Ouh, tiens, un peu de travers, non? C'est intéressant de voir les différentes métas. C'est vrai que. Quand je jouais par exemple avec Rick et que j'avais son écran à côté quand je jouais off-stream, c'est vrai que c'est quand même un avantage. Ah ouais, pour se synchroniser, exactement, ouais. Pour savoir là, à quel moment il arrive. Donc comment il se place sur un obstacle. J'arrive pas à me synchroniser. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que je vous mets dans l'autre sens. Mais bon, c'est vrai que nos découvertes en général sont plutôt laborieuses, puis on traîne chaque CP petit à petit, mais si on ne trouve pas des repères... T'exagères. Il y a eu laborieuse. Des maps. Les maps qui ont été laborieuses, oui. Je te rappelle la rouge qu'on a fini là, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, la deuxième rouge. C'est la deuxième map qui est sortie, je crois. Vas-y, et... Vas-y j'arrive. Oh, 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 oh non. Purée, pardon. Tu peux pas te mettre en latéral plutôt que te mettre en j'arrive. Long ouais, ouais. J'arrive pas à me stab. Attends. Mais c'est pas peut-être. Moi, donc, là-bas. Vas-y, c'est pas mal, là. Vas-y, vas-y, vas-y. J'arrive. Ouais. Non. Non, vas-y, attends, je vais rester en c'est long. C'est pas l'inverse. Est-ce que c'est... Mais non, mais toi, tu peux pas monter là où j'étais, je pense. Vas-y, je reste comme ça, essaie de me remondir dessus pour voir. Attends, attends. Je reviens, hein, parce qu'à chaque fois, il faut que je spawn. Hop. T'es où? Ah, d'accord. Passe j'avais pas capté. Non, tu es trop proche. Et toi, tu peux pas monter là où j'étais. Mais oui, toi, tu peux ressortir. Donc, c'est forcément ça. Attends, donc, là, c'est... Et si tu te mets dans l'autre sens? C'est quoi ça? Ok. Ok. Du coup, on parlait de cette fameuse rouge qu'on a refait il n'y a pas si longtemps parce que au moment où on débutait Trackmania, la rouge était bien trop dure pour nous. On y a passé de nombreuses heures sans arriver jusqu'au bout. Épuisé, et puis il était tard le soir, on avait DNF alors qu'on y restait une dizaine de CP, puis on s'y est refouté. J'arrive, je te vois, mais ouais, c'est bon, j'arrive. Oui, et oui. Et je crois que tu dois avoir un deuxième passage après. Alors aussi habituellement, moi j'ai tendance à facilement céder à la cam 7, tandis que Lucas est plutôt joueur, et lui a tendance à vouloir chercher, quitte à refaire des tries. Là, par exemple, tu vois, en temps normal, j'aurais sorti ma cam 7 avant de sauter, mais je vais sauter. Où tu vas? Moi, je pense que je suis passé de l'autre côté. Tu as pas moyen de me rejoindre Ah, là, bah, t'es là, voilà, on est passé. T'es là, il doit y avoir un CP pas loin. Il y a un CP pas loin. Pas toi, tu peux passer non, sous les deux rambardes. Non, mais je... Ouais, là, il y a un CP. Toi, il faut que t'arrives par en haut. Par en haut? Non, je vois pas du sauter en bas. Si, regarde là, attends, je crois que j'ai trouvé. Un truc. Regarde là, il y a une rampe là. Regarde, suis-moi. Ouais, ouais. Là, il y a une rampe oui, à ma gauche. Bien vu. Tu prends la rampe et je pense que tu vas avoir besoin de moi pour passer à un moment donné. Parce qu'il y a un obstacle que j'ai pas utilisé. Voilà, attends là. C'est la même en fait. Mais c'est pas l'inverse ce coup-ci du coup? Non, c'est non, je pense pas. Et non, parce que moi je peux prendre le CP. Oui, c'est vrai. Allez. Allez. Oui, oui. J'ose pas, tu passes trop vite là. Non mais j'essaye. J'arrive. Oh putain. Oui. Ah non mais là je suis coincé en plus, je vais pour faire le premier. Je peux pas te pousser. Ah non, c'est mort. Non, tu veux on va pas glitch. J'ose pas. Opa. Reviens au premier. Ça va. Ouais, ça le trick c'est pas si trouver. Facile j'avoue pour une bleue. Mais c'est surtout que tu m'expliquais du coup Profor, parce que toi t'as commencé le jeu avec le mod. C'est Axel qui t'a chauffé à jouer du coup. J'ai fait quasiment que ça, ouais. C'est ça, exactement. C'est au début, ouais. Je jouais avec le free-to-play, je faisais les campagnes. Oui. Et Axel, quand il m'a montré tes vidéos là sur le mode puzzle, franchement, j'ai acheté le jeu direct. Et depuis, tous les week-ends... pardon. Tu vois, dès que je parle, mes inputs, c'est plus les mêmes. C'est rien. Je suis passé, t'as plus qu'à venir... Ah, t'es là. Ah. Allez. C'est bon? Vas-y. Non, je pense qu'il me manque un truc là, c'est pas possible. Pourquoi j'arrive pas à me retourner? Et si tu étais dans l'autre sens, c'est-à-dire le nez vers le bas et le cul vers le haut? Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Parce que je perds ma direction du coup.
Sinon, tu passes doucement, tu essaies de passer doucement. Ouh, putain. Doucement. Oui. Oui. Allez. Oui, reviens. Oui, c'est bon, oui. C'est bon. T'es passé. Bien joué. Premier CP. Parfait. Ah, du coup, 2 CP sur 10. Ah, ça oui, fait, c'est pas une dizaine de CP. Ouais, du coup, vous savez vos nombres d'heures de jeu à tout hasard. Attends, mais on peut le regarder facilement sur Steam. Moi, j'en ai un paquet, du coup. Hein. Je suis à 347 heures de jeu, du coup, depuis. Ok. Donc, j'ai pas mal tryhard la dernière campagne Snow qui est sortie. Et j'ai pas mal joué, que ce soit quelques RPG ou quelques pathfinding et principalement les puzzles. Yes. Oui, continue. Nickel. Mais c'est vrai que Lucas... Oh non, j'avais pas vu ce putain de bouton. Je reviens. Tu vois. Ah oui, tiens, bon, on revient. Ouais. Mais comment tu as pas eu de roue libre? Tu passais en dessous, toi? Ouais, moi j'ai un autre. Ok, pas, tu ouais. Passes en dessous. Ok. Mais ouais, c'est vrai que Lucas a un peu moins de disponibilité. Ah, que moi. Vas-y, descends. Je descends. Première map sur laquelle on s'est fait la main, ça a été Let's Go. Et puis ça a été une de nos maps favorites d'ailleurs aussi. Continue. Alors il faut aller jusqu'où? Attends, mais j'ai rêvé ou il y en a deux différents? Ah non, ok. Ah non, il fallait que je sois sur la case du milieu, moi. Mais c'est pas celle sur laquelle... Il y a deux slow motion. Il y a un slow motion à la première case et à la troisième ou à la quatrième case. Et du coup, il faut que je passe... entre les slow-mo, parce que quand je touche le slow-mo, du coup la plateforme se déplace plus vite que moi. Ah d'accord. De okay. La plateforme. Vas-y, tu peux envoyer. Nickel. Ah bah trop intéressant. Okay. Vos histoires. Oui. Allez, non. Non. Mais... oui. En vrai, ce CP sans CAMSET, j'avoue qu'il est un peu plus compliqué. Parce que forcément, ouais. C'est dur d'anticiper ce qui va se passer avec les blocs mouvants. Mais surtout, quoi, il n'y a pas un coup on part en bas, un coup on part en haut. C'est-à-dire qu'il faut que je vais pas. C'est bon, vas-y, repousse un coup. Je vais monter après. Non, jusqu'au bout. Oh, hein. Super, c'est bon, t'as bien fait. C'est ça. Après, en fait, la plateforme, c'est juste qu'elle part en montant et du coup, on m'avait embarqué. Ok. Attends, je sens qu'il y a une douille là, ça peut pas être aussi simple. Non, c'est bon, on a eu le CP là. Ok. Alors, le mappeur a peut-être été un petit peu clownesque. Il s'est cassé la tête à faire tous ces ascenseurs là. C'était juste un reset. Non, mais non, attends, mais comment ça? Qu'est-ce qu'on bouille? Bon, moi je vais respawn. Tu penses? Vas-y, moi, pas respawn. Ouais, moi je peux revenir facilement, voir. Donc je vais respawn. Essaie de faire un coup là où est tout seul sans avoir un poussé moi en tant que point mort et tu me dis après. Je pars en exploration. Parce que là, alors en haut, ça fait un latéral. Mais je peux monter là, moi? Ici, c'est là. Ah non, là ça. Oh putain, attends. Lui, il va me faire monter. Ça nous a beaucoup amusé aussi de chercher des cartes sur la plupart des maps. Oh, je comprends rien. Ouais, j'ai vu que vous aviez hunt quelques maps. Ah, bah on a essayé un peu toutes, sauf la première rouge qui était très longue et qui était. Ouais, très normal. 30 CP, c'était un peu long, mais. Oui, mais d'ailleurs, sinon, on t'a pas dit tous les quêtes qu'on avait trouvées. Il y en a certains, on a voulu en profiter. Je pense que la première rouge, c'est vraiment celle où il y a le plus de cuts. C'est la map la plus longue et celle que j'ai le moins anti-cut. Mais j'aime bien une map un petit peu avec des sortes de speedrun strat, un peu glitch. Franchement, ça me déplaît pas d'en avoir une dans le lot comme ça. Ah, ça nous fait des fois passer pas mal de temps. Ah ouais, ça nous occupe bien. Bon, ça nous occupe bien, déjà. Faut qu'on comprenne le comment ça tourne. Eh ouais. Ça monte à un moment, j'ai l'impression. Le premier qu'on a... Attends, je viens te chercher. Ça va, j'essayais de passer en backward. Le premier qu'on a, il part sur la droite. Et après ça monte. Donc ça, c'est le premier, on va dire, c'est la step 1. On sait que la dernière step, c'est l'ascenseur qui arrive du haut. L'avant-dernière step,
c'est l'ascenseur qui arrive là en haut latéralement vers la gauche. Donc en fait ça tourne. Ça part à droite, okay. Ça monte. Donc vas-y, on y va. Donc là on va partir à droite. Moi il faut que je reste sur celle-là. Et après il faut que tu me pousses sur la première parce que. Vas-y. Normalement on va monter. Moi je recule. Voilà. Et là tu repousses. Oh je suis en roue libre. T'as quelque chose toi ? Pas moi normalement. Nice, voilà. Bien joué. Par le reset, quoi. C'est ça. Là ça dépend, ça c'est pour moi, je monte ici. Bah en vrai je suis pas trop pour mettre des sortes de bait dans les map puzzle parce qu'il y a déjà la réflexion qui est pas facile. Mais je me dis c'est propre aux mappeurs aussi, s'ils ont envie, ils les mettent. Et là typiquement ça ajoute un truc en mode ah tu comprends que c'est bizarre. Genre t'es dans la salle, elle est toute vide, il y a un truc qui cloche et tu l'as eu d'ailleurs ce feeling. Ah Lucas, il a eu direct, moi j'étais là mais non. Mais en fait, si. Et ouais du coup le côté ah chercher une autre solution et j'aime vraiment bien ce style. Et merci Alves, merci quoi, beaucoup pour le raid. Là, moi, bienvenue un speed, à tous. J'ai un booster, ouais. ça me fait faire un rebond. Ah tiens, il va passer au haut. Okay. Et là par j'ai contre. J'ai pas trouvé encore comment remonter. Il y a un petit support où je peux me poser, mais c'est un peu petit quand même, j'ai l'impression que c'est plus pour toi. Attends. Avec un reset. Ouais, juste au-dessus de toi en fait. Là, moi je suis au-dessus de toi. Ouais, mais parce que j'ai essayé de me foutre entre les plaques là, ici, j'avais l'impression que je pouvais passer. Mais... ça, je sais pas, ça sent le truc pour toi, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je me suis brûlé. Oh ah, ah, mais c'est pour toi ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh. Attends, bouge pas, reste. Bien joué pour le 43. Je cherchais le turbo. Comment ça va? Bah ça va bien, on est sur une nouvelle map puzzle. Mais attends, j'ai reçu un duo qui a quasiment commencé le jeu avec le mode puzzle. Attends. Donc vraiment trop stylé. Oui. Et je pense que... Ouais. On va respawn sinon? Je suis bloqué là. Ouais, t'es bloqué. T'es sûr que tu dois venir ici? Ah non, moi je passe pas, donc c'est pour toi ça. Ah non, je passe. Ah bah voilà, c'est pour moi. J'avais pas besoin de descendre. Je suis devant le CP. Ok. Et là... Attends, y'a pas un truc où il faut que tu me tombes dessus, ça me fait sauter. Ah parce que tu peux pas être... Parce que moi il faut que je monte aussi là du coup. Okay, t'as le CP okay, en haut okay. Ouais, je suis au CP en haut. Il faut trouver un moyen pour que je monte. Attends, parce que je peux aussi avoir les propulseurs en tombant. Ah bah il faut que toi tu tombes au moment où moi je remonte. Pour que je te remonte avec moi. Ah, t'es remonté par là. Ouais. Ah oui, mais oui, c'est ça, c'est sûr, il faut que j'arrive. Redescends. En plus, il a mis du béton exprès pour pas que je rebondisse. Ok. J'arrive. Et là, normalement... Je pars. Ouais, tu peux y aller, ouais. Ok, j'ai rien compris. Yes, bien joué. Bien joué. C'est ça. Ouais, en gros, il y a certains blocs d'eau où on peut passer à travers en venant du dessous. Et typiquement là, c'est la snow qui a réacteur up et qui pousse la stadium. On a découvert ça sur New Character, qu'on pouvait passer à travers les walls. Ah oui. Bah il y a un peu le même tricks sur la Sunrise, où à un moment la stadium elle vient prendre un sort de quarter et taper dans la snow. Voilà. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Au tout début, le deuxième, premier ou deuxième CP. Exactement, ouais. C'est vrai. Oui, bien aimé. Toi, tu es parti déjà. Toi, t'as dû prendre ce saut-là, parti là. Moi, je suis arrivé sur la marque au sol, et je pense qu'il faut que je t'attende, mais je me suis mis sur ma marque et je me suis pris... Mais t'as pris... Attends, t'as pris... Ah, mais si, on n'a pas nos écrans. Mais non, on n'a pas nos écrans. T'es parti tout droit au CP, t'as pris une petite rampe bleue en plastique ou t'as pris la grande rampe en béton sur la gauche? Attends, tu veux que je respawn et on se le refait ensemble? Ouais, parce que je comprends pas par contre. Vas-y, ok. Il y a deux. Moi, parce que là, j'ai un trois way. En fait, je vois trois way. Ouais, toi, t'es passé par là. Et après, je redescends, je peux pas aller en face. Par contre, toi, tu devrais pouvoir aller en face. Ouais, donc je pense que je passe là. Mon avis, faut que je passe là. Je peux venir ici. Ouais, c'est ça. Mais okay. Le truc, c'est que j'arrive. Mais c'est autant c'est un bait encore, du coup. Parce que si elle nous l'a fait une fois, autant elle nous l'a fait deux fois. Et ici, j'arrive à un truc qui n'a pas de sens. Je peux me foutre là, mais ça va soit me tuer, soit m'éjecter, je sais pas où. Donc je pense que je suis encore tombé sur un bait. Découvrir cette estimé à combien de temps? Alors j'ai pas vraiment de temps de référence. Oh, qu'on verra, mais je pense.
une heure, toi, peut-être une heure et demie, vu qu'ils sont un peu plus débutants, intermédiaires. Là, regarde, tu vas me passer devant. En fait, je suis au même booster que toi, tu dois pouvoir prendre. Et toi, tu peux pas monter? Attends, mais mais t'arrives pas. Toi, tu vas pas en haut? Ah non, mais d'accord, ok. Directement c'est là-bas. À moi d'aller en haut. C'est à toi. Bah moi je peux y aller. Ouais. Ok. Tu n'avais pas saisi que toi ta way c'était celle du haut et que moi que par là, je sais pas, il y a trop de way là. Oh là là. Pas tout droit. Oh, un beau turtle. Allez. 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 Vraiment. Non, ça découvre bien, franchement. Donc il me faut de la speed. Ouais. Là du coup, en plus, ce qui a été cool, c'est que c'est refait récemment la fameuse rouge qu'on avait laissé en plan, qu'on trouvait un peu dur, et on s'est bien senti avoir progressé depuis nos débuts. On était repassé sur les CP sur lesquels on avait mis de nombreux tries quasiment du premier coup à chaque fois, donc ça faisait plaisir de sentir qu'on avait progressé, quoi. Ah, c'est cool. Je suis en haut, j'ai deux solutions. Regarde, tu essaies de me rejoindre là. Ah maintenant remarque, ça n'a pas de sens si moi je t'amène ici. Mais je vois pas. Ah oui, attends, moi je peux te rejoindre là, vas-y. Tu penses que ça va? Je sais pas, il y a deux marques au sol et je me prends un message et genre il me demande ce que j'attends et je pense que ça. Bah vas-y, viens, on y va. Attends, mais là. Viens, on y va. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, regarde, t'as une marque. On a chacun une marque et quand tu viens dessus, tu vas avoir un message. Et donc, voilà, et mise à part se faire kill dans la foulée. Ah, il a dit à 10 minutes, non, on fait pas de troll. Pas trop. Et j'étais pas au courant du message pour le coup. Ah, je peux pas revenir, moi. Non, là y'a rien. Attends. Ah, mais c'est bon, je l'ai. Je pense qu'il faut que je te champonne. Non, il fallait que je passe par la fenêtre, moi, regarde là. Ah, non. Peut-être toi, plus pour toi. Mais moi, comment je. Attends, je te fais. Moi, regarde, j'ai un booster. Ouais. Tu vois la grande rampe en béton à gauche quand tu prends le respawn à gauche. Attends, je pense que là il faut. Attends, mais. Ah, petit coup de camset, putain, j'ai tellement envie de camset. Non. Donc, là, en soi, là, y a pas d'informations qui vous sont pas données. Genre, tu peux. Y en a toujours un des deux qui aura des informations, on va dire. Ici, là, toi, tu peux pas revenir à moi. Mais si tu étais allé tout droit, tu aurais pu sauter à travers le trou qu'il y a derrière moi. Tu vois ce trou-là? Ouais. Moi, j'ai pas assez de speed pour réussir à y aller. Attends, je vais voir par l'autre, par hasard. Non, là, je peux pas y accéder. Toi, tu peux y accéder à celui du haut, là? Oui. Ouais. Je peux y accéder, mais après, il faut que je fasse un grand saut. Parce que, t'as vu là où je suis, il y a un booster, là. Ouais. Il y a un booster sur le sol qui me permet de prendre la rampe, justement. Et ouais, et moi j'arrive pas, il faut que je trouve un moyen pour sortir, mais ici... Potentiellement, il faut que je te tape ici. Tu me tapes? Non, j'ai pas assez de speed, je pense. Ah non, il faut que j'aille en haut, il faut pas que j'aille ici. Et moi, je pensais devoir faire une diagonale ici. Attention. Et là, y'a quoi, là? Ah, ça y est, attends, je vais le voir un coup, mais attends. C'est pour nous, ça? Non, ça n'a pas de sens, c'est encore un bait. Non, mais c'est plein de bait en fait. Ouais, ça dépend. Ah non, c'est bon, ça attend, je crois que je l'ai en backward. A chaque fois, je me fais avoir sur cette snowcar, j'arrive pas à m'y faire. Ma backward est toujours plus puissante que ma. Ah, oula. Oh oui. Non. Donc, je suis quasiment passé, moi. C'est un peu serré quand même. Qui, pour moi? Non, pour moi. Ah. Je crois que j'ai ma pause. J'ai plus qu'à t'attendre. Là. Hop là. Ah, tu es là. Ça y est, je suis en position. Mais attends, il nous amène tellement loin ce truc, j'arrive. Vas-y. Yep. Oh magnifique. À la flotte et la snowcar, mais à chaque fois quoi. T'as un malus ou pas? Non, pas de malus. Allez, c'est parti. Bien joué. Ah, what? J'ai fait. Et... C'était pas bon. Ça c'est aimanté. Là, y a un pas de moteur. Attends, moi je suis sur quelque chose. Je pense que j'ai trouvé là, ma way. Passes, là. Moi j'ai trouvé ma way. Mais moi j'ai un truc aussi. Pour toi.
Ah bon? Non, non, moi je suis sûr de ma way, c'est... Moi là je passe pas, hein. Attends. Ça c'était pour toi. Attends, là y'a quoi là? Ici, ici, ici... On va essayer ça. Non. C'est quoi cette map? Ok, ok. Par contre, je suis complètement perdu du coup à chaque fois que je passe dans un sol, j'arrive plus à savoir où je me retrouve. Je suis à nouveau sur un mur aimanté. Tu redescends? Où tu es toi d'ailleurs? Là, regarde, regarde là où tu viens de tomber. Ah, t'es là! À ta droite. Là, regarde. T'as vu? Hop. Où? Là où je suis passé? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ma bonne. Mais moi par contre, c'est, j'ai toujours rien, je suis toujours au CP là. Attends, attends, attends. Parce que moi là, il y a le CP devant moi. Donc là, il faut que... Ok, c'est ça là. C'est ma fin. Ok, je t'amène au début. Le début, là, alors, regarde, il y a un panneau. Je me suis muté pour pas les déranger, mais... En faisant une marche arrière. Oh, j'ai peur que ça se brûle force, j'y avais pas pensé. J'ai pas pensé. Qu'est-ce que j'ai touché? Genre la stadium, ici, là, elle vient là et... Hop. Elle se fait pousser par la... C'est pas ça qui est... Mais non, je pense pas. Boum. Attends, est-ce qu'il y a pas un tricks ou... Ah mais si, tu peux pas me monter dessus. Si, c'est possible, ouais. Vas-y, vas-y. Pas comme ça, je pense pas. Ah, non. Pas. Quand il fait ça, en général, il y a le sol, il... Ouais, bah, il y a le sticker, normalement, mais... Oh, presque. C'est pas moi qui dois te percuter, plutôt? Oh. Et si tu te mets de face, du coup, ça te ferait pas l'inverse? Non, mais attends, il doit bien y avoir un moyen pour toi mais... de monter autrement, non? Tu penses que c'est vraiment ça? Non, bah non, non. Non. Bah enfin bon, en tout cas, c'est facile parce d'y monter. Là, regarde, à gauche du mur aimanté, là, il y a un autre mur aimanté qui descend. Oui, après, c'est une way pour descendre et du coup, tu l'as déjà pris, ça pas de moteur, non. Ouais, et au bout, j'ai une réinitialisation. Parce que là, pour moi, ici, là-bas, il n'y a rien à faire. Ici, donc, j'ai ce booster. Si tu vas là, t'as plus de moteur, et si tu vas ici, bah, tu peux rien faire d'autre. T'es libre, je peux... Toi, ça t'a servi à quoi de faire tout le tour, du coup, parce que tu reviens ici t'es... J'ai un reset et j'ai une way pour toi au bout, donc il faudrait que toi tu arrives à venir avec moi, mais mis à part te faire venir par ici avec moi, je vois pas trop comment quoi. Parce qu'il y a j'ai touché pas, pas de moteur, j'aurai jamais assez de speed. Ouais, non, c'est impossible. Et ouais, il faut forcément que... Attends, je vais essayer de revoir, parce que... Je peux pas te dire de regarder mon écran. Non. C'est ce que j'allais faire. Ici, je prends un truc aimanté qui m'amène à un passage en fait potentiel. Ah, pour le coup, le mur est quand même est différent et tout. Qui doit ah, mais non, puisque c'est un. J'ai demandé à rajouter un c'est néon c'est pour. Mais toi, je sais pas comment tu montes là-haut. En fait, faut à la base. Je peux pas se passer sur le truc aimanté. C'est un peu. À la base, il y avait pas le néon et j'ai dit et de le rajouter. Que je monte là-dessus, je vois pas trop comment faire autrement qu'en shootant bien fort dans. Vas-y, mets-toi-y. Ta voiture. Là, toi, tu shootes dans moi. Je sais pas, on va essayer. Mais ça, c'est peut-être des connaissances attends, de TM ah, qu'ils ont. Putain, mais on avait une map comme ça où je me mettais sur la tranche. Attends, viens, on essaye, ça bouge pas, bouge pas. Ça va. Putain, ça te parle pas? Si, si, si. Je... oui. Si, si, très bien. Ça, ça marchera pas. Enfin, oui, parce que. Putain, en plus, oui, mais pareil, le mur, le sol, il était enfoncé. Oh, ça pour le coup, c'est pas ça. Mais oui, bon. C'était ça, c'était sûr. J'aurais dû réfléchir 2 minutes de plus. Bon, suis-moi. J'arrive. Tiens, roule libre, fais gaffe. Hop. Je t'ai pas... Oh putain, il fallait que je prenne la rampe. Il fallait que je prenne la non. rampe. Non. Non. Je reviens te chercher. Ah oui, c'est bon. Non, non. Est-ce que tu vas pouvoir... Non, je pense pas. Ah bah moi, je peux... Allez, c'est pas grave. Tu peux monter là ? Non, allez, c'est bon, on refait. Ça va partir, ça va partir. Ça sera vite fait. Je sais pas si je leur dis que c'est pas ça pour le coup. Oh mais non. Tu vas. Tu t'en je vais monter peu, tout droit. Ah non mais le turbo en fait il fait effet même une fois que je suis monté sur l'aimant et continue à faire effet le turbo. Alors que j'ai tendance à penser que il ne trigger qu'au moment où j'arrive. Vas-y. Ah. Oh. Tu arrives pas. Encore raté. Recommencer. Ouais, il arrive un peu vite je vais là. M'appliquer. Oups. Mais dis-le. Je sais bon. Pas. Vas-y. Allez, j'arrive. Et hop là, voilà. Bon, prends un peu de speed. Oui. Mieux. Ok. En fait, là, ils vont donc se retrouver bloqués parce que la stadium doit être un. Si, si, j'ai ma direction, j'ai juste pas de moteur. Ouais, t'as juste pas de moteur. C'est ça que je veux dire par rien.
Non, elle est censée arriver de là. Voilà, tu l'as eu. Ah, non, plus fort. Non, tu l'as pas. Ah, si, attends, attends. Si, là, c'est bon. Là, non, non, je l'avais pas eu. Je l'avais pas eu. Ok. J'ai envie de voir un petit peu s'ils sont bloqués ou pas après. Tu passes par ici. Par en bas. Non. Enfin, je pense que tu passes par face à moi. Ok. Exactement, c'est aimanté, tu vas remonter là-haut. En fait, ça va peut-être leur donner l'info du staff. Okay, mais avec mais je pense que tu restes. Ouais. Et moi, je dois passer par là, du coup, si je comprends bien. Voilà. Ah, pas vraiment. Tu es passé ? Ouais, mais du coup, je suis sur le dos. Vas-y, au pire, Profox, je t'invite à Cam 7 où t'es. Ok. je prends le conseil. Ok, alors j'arrive. Je prends un pas de moteur. Je suis sur le dos. Le pas de moteur, attends, est-ce que je peux l'éviter? Non. Je vais comme ça aussi, attends. Il a pas de raison. Vas-y, parce que CP, il est un peu okay. Spécial. Tu te retrouves sur le dos. Oh putain. Là, putain, mais il y a quoi dans cette salle? Il y a... Ok... Je pense qu'il y a Savais, putain, je le savais qu'il allait avoir un trou. Il y a un trou au fond, au niveau du néon, dès que tu rentres, respawn, de suite à ta droite, il y a un long néon blanc. Ouais, je préfère leur avoir dit ça, je suis content qu'ils aient trouvé. Tu mets le nez dedans. Non, non, oh, non, vas-y, fonce. Non, non, moi j'ai pas acheté pas pour ça, hein. si, passe en travers, plutôt, sur le flanc. Ah, ça c'est un grand classique. Ça y était dans Windows. Oui, juste il y avait dans Minda un petit passage. C'est très RPG de faire ça. Ouais. Exactement, j'en ai vu dans beaucoup de RPG. C'est vrai que je commence à essayer de trouver les bonnes habitudes. Donc tu es ici avec un moteur, ça c'est cool. Par contre, est-ce que ça nous aide? Non, bah, ça veut dire que je peux redescendre du coup et je serai. En fait, ça c'est un normal way. Ça c'est un normal way. Depuis tout à l'heure, on fait un cut en fait. Non, on n'aurait pas pu. Je pense qu'on serait pas allé loin. Parce que là, tu vas arriver, tu vas être sur le dos, et le but c'est que moi je te pousse ici et que tu prennes l'ascenseur avec moi, que tu te retrouves là-haut avec moi, avec le reset, pour qu'on puisse passer. Allez, vas-y, je sais pas où c'est, mais. Allez, mais je vais te chercher. On va faire la normal way. Attends, je recale 7 pour voir où tu vas m'amener là. Ok. Oh, trop drôle, putain. Bah, désolé, Yok, du coup. Ah, j'ai vu que vous partiez sur la mauvaise way, mais en vrai. C'est pas problématique parce que quand vous arrivez ici, la stadium est sur est pas sur le dos. Du coup, oui. Je me dis que ce sera toujours mieux de faire ça. Tu peux revenir? Attends, mais tu es sur un panneau aimanté, ça peut pas t'aider ça? Ah bah, je pense que c'est vas-y, essentiel. Ouais. Mais parce que j'ai l'impression que si tu remontais. Attends, mais. Là, il y a encore un panneau aimanté. Tu remontes, ouais, tu vas arriver à ce côté de moi. Suis, exactement. C'est quoi ça? Attends, mais ça, je suis là. Eh non, eh oui. Moi j'ai vu un trou, j'ai vu un trou, je suis allé dedans. Ok, bien joué. Ah, mais c'est bon. Parfait. C'est sûr. Ah ouais, heureusement qu'on a quand même cette celui-là. Ouais, merci. Ouais, de rien. Le petit trou. Au début, il n'y avait pas le néon au niveau du mur bleu. Je dis ouais, go rajouter un truc quand même parce que sinon on va pas trouver. Ça c'est encore un beau bait pour le fun de faire un saut. Bon, moi je peux monter dans la neige ici, je pense. C'est quoi cette rampe? Je pense qu'il faut que je t'amène là où je suis. Je tombe pas là. Donc il y a une petite montée en neige au fond à gauche, tu as vu? Et qu'est-ce qu'il y a là à droite? Toi tu passes ici? Désolé. Ouais, moi je peux passer. Attends, j'ai pas encore compris s'il y avait quelque chose pour moi. Mais il y a sûrement quelque chose pour moi. Hop. Attends, j'arrive ici. Et c'est vraiment cool d'avoir. Je me suis remuté. C'est vraiment cool d'avoir des joueurs un peu plus. Une rampe de fou. Beginner intermédiaire. Parce que toi, tu vas pas arriver fort contre un mur par hasard. Là, je suis au milieu d'un truc. Je me demande s'il faut pas. Pour voir comment ils réfléchissent. À quel endroit? T'es passé par où? Par le petit moi, typiquement le trou, il le trouve pas direct. Avec moi. Tu arrives à monter sur la neige? Oh. Tu peux pas monter. Et là par exemple, ça spoil un peu, mais en gros... Avec de la speed peut-être. Je pense 90% des duos que j'aurais invités, ils arrivent là et ils savent quoi faire. Et là-haut, j'ai un trou dans lequel mettre soit mes deux roues avant, soit mes deux roues latérales. Non, c'était... Je suppose que j'attends... Ok. ...me percuter. Ça va sûrement être un truc ici alors.
Donc toi tu dois passer par en dessous, je pense que tu dois avoir une sorte de bouche qui doit te ramener à moi. Ça y ressemble bien. Et c'est trempe à quoi le cerf, c'est trempe. Non, j'ai pas essayé d'y aller de face ou de dos là, dans ce trou, je suis bête. Si je fais ça... Je comprends pas. Moi j'arrive... Je... Attends. J'arrive sur le dos, dans un endroit, je suis pas sûr qu'il y ait accès. En vrai, s'il a joué que du puzzle, c'est normal qu'il comprenne pas. Je suis en dessous, du coup, de nous. Ouais. Et toi, attends, toi tu montes? Non, moi je suis stuck dans un rebord en plastique, un trou en plastique, et je pensais que je devais t'attendre ici pour que tu me passes une collision par-dessous. Pensant que Tawé allait arriver sous moi et allait me percuter de dessous pour ponter... Mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Je vais... Mais par contre, je peux pas venir voir Tawé, quoi. C'est dommage, parce qu'avec ton écran, quand on est en partage d'écran, c'est pratique. Et oui. C'est vraiment pratique. Ça, à quoi ça sert? Attends, il y a... Non, mais ouais. Ça, c'est un bait. Pareil, c'est un truc. Non. Ça me retourne. Ah, et tu dois y aller en bas. Et vas-y, tu peux me pousser? Tu peux me mettre un petit coup, là? Enfin, un gros coup. Ouais. Oh putain, merde! C'est vrai, j'ai compris. Ça a l'air d'être ça quand même, je pense. Okay, vu que j'arrive à l'envers, au moins là. C'est sur la partie aimantée. Non, mais tu sais que tu peux faire un barrel sur le. Là, ouais, sur le bord. Sur la rampe, ouais, tu prends juste le haut dessus, tu te fous à l'envers. Ah non, sur le tremplin! Sur le tremplin. Ouais. Il va y arriver. Ouais, voilà. Tu mets les deux roues de gauche dessus ou les deux roues de droite, comme tu veux. Hop là. Oh joli! Et en plus, c'est aimanté. Hop là, oui. Oh là 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 là, mais comment j'ai pu regarder ça. J'aurais pu le voir aussi, il y avait une bande noire sous mes yeux, j'avais pas tilté que c'était... C'est difficile de faire la différence entre du plastique noir et les parties aimantées. Ben moi je suis arrivé au CP. Attends, non, t'es remonté sans moi, t'es passé dans le trou du coup, non? Ah d'accord. T'es passé dans une fente. Oui. Eh ouais, c'est dans cette fente, je vais essayer de me foutre au milieu. Ça veut dire que potentiellement, il faut que j'arrive à aller dans à l'envers, là, tout seul. Ah non, putain, il faut que je te ramène, je pense. Il faut que je t'y ramène, Ah non, attends, non, je pense que je peux le faire tout seul. Essaye. Ah. Oh putain, désolé, je suis au milieu. Oui, non. Ah, comme ça. Ouais, c'est vraiment, c'est trop intéressant. Je te pousse. J'aime trop voir des découvertes comme ça. Est-ce que de là, je peux pas arriver à redescendre sur la partie aimantée, si je pense. Là, comme ça. Je pense que tu te comptes. Non. Je pense que tu te comptes. Ah, t'es sur le dos, bouge pas. Ah, tu aurais dû rester sur le dos. Mais du coup, est-ce que tout seul avec de l'élan d'ici, je peux y aller? Ça peut-être. Probablement. Oui. Mais je pense qu'il va falloir quelques tries. Recul. Moi, c'est bon, chier. Ok, donc ne va pas à fond. Laisse-moi le temps d'aller me mettre en position. Oui. Vas-y, t'as tout ton temps. Ah bah j'ai tout niqué. Comment ça t'as tout niqué? Tu reviens ou tu veux essayer de faire ça? Je reviens, vas-y. De toute façon, je m'amuse pour pas vous déranger, mais en vrai c'est trop intéressant de voir comment vous trouvez les solutions et tout. Hop. Oh, tu nous déranges pas, tu bosses avec nous au bocal. Non, bah des fois j'explique par exemple que oui, tu vois, typiquement 90% des duos que j'aurais invités, enfin, sans être méchant contre vous, hein, mais par rapport au nombre d'heures de jeu, ils voient le tremplin et ils se disent c'est un setup turtle, tu vois. Eh ouais. Genre c'est instinctif. Et là, du coup. De bait auparavant. Moi, je pense que ça bait. Direct, je dis que ça bait. Tu dis même pas la question. Tu me dis quand tu es prêt, hein. Mais effectivement. Je suis prêt. Parfait, j'arrive. Vas-y. Mais oui. Hop là, c'est bon, c'est passé. Il y avait un. Parfait. On y est. Bien joué. Merci. Ok, donc là on pouvait partir à gauche aussi. Ok, je me suis remuté parce que ce CP, il est compliqué. Ouch. Et il y a rien là. Honnêtement, pour toi, je pense, si tu vas tout droit. Je suis curieux de voir s'il l'en direct. Là, ok. Pas de moteur.
Là, il doit y avoir un reset. Ah, il y avait un reset derrière. Ok, non, ça c'était bien que le sac, j'étais pas sûr. Et là. Vraiment, ce CP, je crois que c'est mon CP préféré. Okay, moi, je pense que j'ai le reset ici. Ok, donc moi j'ai trouvé un way. Et ça va être à toi de me pousser à tous les coups. Toi, là, t'as un malus? Non, j'arrive avec tout. Ah, mais je peux pas passer ici. Moi, j'ai un malus là. T'as un malus, t'as quoi? Est-ce qu'il y a un respawn derrière moi? Un reset? Un reset? Non. 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 Bon, attends, ça doit pas être... Attends, je reviens. Parce qu'en plus, je crois qu'il a mis des. Il a mis des. Sur les murs. Oui, je sais, je le dis comme maman, c'est tard. Mais sur les murs, il y a les logos de là où on doit aller. De là où on doit aller en général. De... Et j'ai l'impression que ça correspond. Hop. Ce qui est pas mal, c'est que il y a effectivement les trucs sur les murs. Et en fait, tu le remarques pas tout de suite. Et du coup, c'est intéressant de voir que CP7. Non, ça y est, on fait le kill. Je me suis posé la question, CP2-3 déjà. Oui, 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 j'imagine. Et là, c'est vrai que je confirme. Ça confirme le truc. Bon, je comprends à droite, pas. Si tu... Non, mais je pense vraiment que l'idée émergeait dans sa tête en mode. Ah, peut-être que c'est pas juste de la déco. La speed pour pouvoir sauter en face. Ah oui. Yes. Yes. Il faut que je rebondisse. Donc en gros, ce qu'on veut dire, c'est s'il y a une stadium ici, c'est que la snowcar ne vient pas dans cet endroit. Après, des fois, là, il y a la stadium alors. C'est bon, je suis passé. Bien vu. En réalité, les deux y sont, mais. Pas d'adhérence, ok. Ok, notre GNB, il faut que je te touche. Mais attends, mais t'es pas avec moi non plus. Mais pourquoi j'ai plus. Mais je peux te rejoindre par contre. Je peux aller chercher. Et à mon avis, y a rien à faire ici. Vas-y, je vais descendre. Ouais. Ah, j'ai compris. Et là. Hein, je sais pas comment je passe. Je peux pas passer là-dessous. C'est bien, mais toi, tu peux passer là-dessous. Oui. Et qu'est-ce que je fais, moi? Passe pas, même avec une backpack. Attends, mais d'ici, on doit pouvoir voir l'autre côté. Attends, parce que moi, j'ai pas. Ah, il est compliqué, CP. Ah mais c'est pour pouvoir glisser je pense. Faut que j'arrive d'au-dessus du coup, il faut que je passe par-dessus la barrière. Comment j'arrive là-haut à ton avis? Mais c'est par là où tu es arrivé toi? Ouais. Je vais essayer de passer moi aussi, attends, est-ce que je peux? Ah oui, c'est vrai parce que si t'arrives en haut, tu peux aller sur le cylindre là qui est au milieu. Ah putain, je rebondis là-dessus tu crois? Attends, on va essayer. Bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne la même way? Oh yes, c'était la même way. C'est... Okay. T'as encore un bait en haut, enfin, je suppose. Du coup. C'est pas voulu. Tu descends par la droite pour aller sur le cylindre. Hop. Non, pas ça. En vrai, il a eu trop de chat. Putain, ça va le bait du coup. Oh non. Mais ça me surprend quand même. Non, ça passe pas. Mais ça m'étonnerait qu'on ait la même way. Bah ouais, moi aussi, mais bon, comment je passe. Attends, pardon. Je vais remonter, je vais re-regarder 2 secondes. Bon, vu les arceaux qu'il a mis arrondis. C'est pour pas qu'on cut, donc je pense qu'il y a... J'ai pas d'autre choix que descendre, enfin, selon moi. Ouh. Bon, c'est chaud, mais... Non, ça passe jamais. En vrai, je pense que c'est un des CP les plus durs en découverte de la map. Ah ouais. Mais vous en sortez bien pour l'instant. Les infos ont été récoltées, on va dire. C'est ça, il faudrait que je trouve comment passer derrière cette barrière blanche et jamais... Mais attends, regarde, tu l'as vu la way de la gauche? Oui, quand je suis monté, il y a un reset pour moi là-haut. En fait, quand je suis là-haut et que j'ai récupéré mon reset, la seule chose qui me reste à faire, c'est soit revenir sur mes pas, soit descendre juste ici dans la pente en glace. Attends, j'arrive, je viens de voir. Merde. Voilà, je descends. Mais une fois que je suis en bas, le problème c'est que je peux pas passer sur la barrière blanche. Bah, sauf s'il faut clip à travers avec beaucoup de speed. Non. Là... Y'a pas de truc comme ça. Non, parce que c'est pas... Est-ce que je devrais pas passer dans l'eau? Mais t'as vu où est-ce qu'il faut que t'arrives ou pas? Regarde, suis-moi. Vas-y. Il faut que t'arrives là, à droite, là, c'est ça. Après, ils savent pas... Peut-être qu'ils savent pas que le no-grip... Tu descends sur le cylindre et tu descends dans le... En fait, ça se joue sur l'état des roues. Autrement qu'en passant par ta way. Alors... Ah, il est peut-être dur, ce CP. Je vais refaire ma way pour voir. En fait, dans l'exécution, il est pas dur, mais... Résoudre le CP... Et là... Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Attends... Non. Ah, c'est pas un backboard, putain. Non, mais c'était presque passé, ça, mais il faut bien que j'arrive
Ouais, je peux dire, je peux lui dire que c'est pas ça, ouais. Et après, ça ressemble quand même beaucoup à ta way, quoi. Alors, je crois que je peux vous dire que la snow est pas censée bounce. Ok, ok, voilà. Ça va, ça va. Mais j'ai l'impression, okay. T'as eu un peu de chance sur ton try où t'as bounce. J'en ai eu un. Je me dis, il y a peut-être moyen que ça passe, mais... Du coup, ça m'a un peu conforté dans ce truc, et c'est vraiment très dur à faire. Mais là, je suis en train de camset, du coup, et j'ai... C'est pas pour moi, donc je me dis que... J'ai raté quelque alors, chose. Alors, ouais, ce CP, en fait, il est... Ah, comment expliquer ça? Alors, vous avez tout trouvé. Ouais. Il manque plus que l'ordre. Ouais, c'est peut-être même de la connaissance. Ah, mais voilà, je dis ça comme ça. C'est comme le turtle de tout à l'heure. Donc il y a un trick qu'on peut faire. Donc, alors. Ah, si je passe sur la tranche. Attends, si j'arrive à me mettre moi autrement que droit, est-ce que tu pourrais me pousser sur la tranche? Je crois que je les ai perdus avec ce que je viens de dire. Non. Putain, ouais. Il me manque un trick. Soit il faut que ça veut dire que soit c'est un truc purement tech. Genre un slide, un virage, un truc accéléré ou je sais pas quoi, hein, comme tous les trucs que je connais pas avec des noms en anglais là. Ah, je suis passé, mon dieu, il fallait bien clip. Mais je sais pas si c'est volontaire par mais contre. Mais non, a priori. Attends, t'es passé par où? Tout droit? Alors, c'est volontaire. Voilà, je dis ça. C'est volontaire, ok, ok, voilà. Le clip est volontaire, ok. Par contre, je suis. Ouais, ah, bon, t'es pas dans le bon sens. Non, exactement, je reviens. C'est que c'est pas giga abuse. Putain, je me suis posé la question, j'ai dit non, il faut pas clip quand même. Putain, mais à chaque fois, j'annonce ce qu'il faut faire. Attention. Si c'est ça, Yannick, ce que tu voulais dire. Si c'est ça que tu voulais dire, le manque de connaissances. Non. On l'a, non. Mais parce que là, du coup, on... Et là, tu peux ice slide. Là, c'est pas fini, là. Ah, putain, tu peux pas ice slide. Eh oui, toi, il faut que tu sois gelé, toi. Eh ben, il faudrait que je sorte. Non, ou alors, il faut... Attends. Que j'arrive sur la tranche, que j'arrive sur le dos, genre. De toute façon, j'ai pas d'adhérence, donc j'ai pas de couple. J'ai pas... En fait, il a dit juste... Il a dit, il faut qu'il soit gelé. Et comment et si... on gèle la snow sans passer par le bloc? Est-ce que t'es roux? Ça sera pare-choc là-bas ou il y a une roue qui va toucher quand tu seras sur les deux rails? Là, je vais avoir les deux roues avant. Il y aura un pare-choc qui va rester dans le vide, je pense. C'est l'espacement pour tes deux roues, mais... Donc normalement, si t'es là, t'as pas besoin de pas avoir d'adhérence. Sinon... C'est quelque chose qu'on n'a pas déjà vu dans les autres puzzles, jamais? Du coup, Yannex? Ça a déjà été vu, oui. Ah, ça, donc du coup, on a potentiellement oui, une info sur comment il faut faire. Oui, techniquement, vous savez. Mais... Mais... Profork, ça a dit quelque chose de très intéressant. Et ouais... Ouais, il faut que t'arrives directement sur les rails. Enfin, il faut... Le truc, enfin, si c'est ça, c'est que, en gros, t'as pas besoin de pas avoir d'adhérence. T'as pas besoin d'avoir les roues gelées en gros pour que je te glisse sur les deux rails. Ok. Mais ça, je suis pas sûr. Alors, du coup, c'était pas ça. Par contre, il y a un autre truc. Il y a un autre truc, c'est qu'il faut que tu gèles. Il faut que tu gèles tes roues potentiellement. Mais oui, mais mes roues gelées, elles restent gelées pas longtemps. Ah, il faut que je les mouille. Ah, mon dieu, il y avait. Si j'ai les roues mouillées, il y a pas. Oh putain. Il y a pas l'histoire qu'avec les roues mouillées, tu peux garder. Ah putain, mais il est où l'eau? Ah, elle est là-bas. Attends. Oui, j'ai une flaque d'eau ici. Mais tu vas. Elles vont sécher. Pas sur le plastique. Ah, pas sur le plastique, ouais. Et pas sur la glace non plus. Et là, comme c'est de l'air plastique et de la glace, du coup, et là, je suis roux, gelé. Oh, magnifique. Bon. Roux mouillé et gelé, en fait. J'ai les deux types. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de connaissances, parce que. Ah, ouais, effectivement. Voilà, ça, si on joue depuis dans les trucs. Pas très longtemps, je sais pas à quel point c'est connu que. Si tu fais. Pu avoir... Ouais. J'ai un plugin en fait qui me dit l'état de mes roues. J'ai fait exprès parce que je comprenais pas très bien à quel moment j'avais les roues mouillées, à quel moment séchées. Donc je me suis mis un petit plugin là-dessus justement pour m'aider. Donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ouais, je comprends. Quand il m'a dit direct. Effectivement. Mais oui, j'ai été surpris de plusieurs. Pardon, vas-y Lucas. Il y avait quoi dans l'escargot là? Dans l'escargot, ça m'a permis de me propulser jusqu'au CP. Donc en gros, je pense que je t'ai oublié à un moment. Ah, donc là, t'es au CP. Ou alors, parce que moi je t'ai aidé pour que tu puisses passer quand même. Ah, ok. Tu peux venir jusqu'à moi, tu penses, du coup?
Alors. Je suis devant le CP, j'ose pas le passer du coup, comme bonnes habitudes. Ah non, t'inquiète. Donc moi je passe pas par là. Ça c'est bien pour prendre de l'élan. En fait ouais, c'est un CP compliqué parce que le CP d'avant. Droit, en fait, j'ai pas pris le temps de regarder ce qui se trouvait autour. Ça, à mon avis, je peux le passer. En gros, la snow peut pas prendre ça, mais du coup, elle doit, elle, geler ses roues. Et pour geler ses roues, il faut qu'elle mouille. Quand j'ai ton écran, c'est pratique. Plastique. Parce que ça sèche pas. Ça fait bizarre. Et glace. Et tu remarques que j'ai pas le même level hein, quand t'es pas là pour voir mon écran et me dire ce qui va pas. Bah, c'est plus dur, en fait, de deviner les wares sans voir, en fait, les astuces que l'autre peut avoir. Ou l'autre point de vue que le joueur numéro 2 peut avoir quand toi, tu es dans un endroit. Mais du coup, ça invite un peu plus à communiquer, ce qui n'est pas forcément un problème. Pas du tout. C'est pour ça. En découverte, qui plus est, ça va. Mais par contre, en tryhard, c'est sûr qu'on se mettra en partage. Ouais, en tryhard, je comprends tout à fait. Il y a tellement de choses sur lesquelles ça se joue à rien, quoi. Tiens, je respawn. Je respawn un coup, je pense que j'ai besoin de toi pour monter. Donc moi, le truc, c'est qu'à partir du moment où je passe ça, je suis en roue libre. Toi, non. Si ? Oui, ah, t'as besoin de moi pour monter ? Ok, mais, bah je vais arriver derrière toi. Mais tu peux prendre le boost sans moi ? Attends, je vais tester. Hop. Je pense. Ouais, c'est bon là, je suis passé. Ah ok. Et poc ! Ok, tout à l'heure je t'ai poussé, je me semblais que c'était nécessaire du coup. Et là, par contre, je suis en roue libre again. Là, il y a des boosts. Vas-y. Vas-y. C'était sans doute pour moi. C'était très probablement pour moi. Moi, j'aurai besoin de toi à nouveau du coup. Hop, et je suis en roue libre. Ouais, c'est bon, j'ai pris mon reset. Toi, tu peux. Ah putain, non, c'est vrai, tu peux pas remonter là, promis. Donc, c'est ok, donc. Il faut juste que je te lâche au milieu et que je fasse ma boucle, moi. Ok. Ok, et après, tu reviens me chercher ? Et après, je reviens te chercher, exactement. Ok, parfait. Pas la suite. Oh putain, j'ai fait un vieux. Poc. Non. Ouais, je pense qu'il faut se synchroniser un peu là. Plus, ouais. Par derrière moi, ouais. Ok, je tourne. Oh putain. Moi, j'ai tout là. Vas-y, redescends un coup. Oh mais. Et c'est reparti. Tu penses pas que le boost lui sert à quelque chose ? Et yo, Karistos ! Ouais, toi t'étais déjà en marche arrière. Donc là, ici, je reste là ? Hop, ouais, tu restes là. Je crois que le boost sert à rien. Je vais venir te chercher dans deux secondes. Hop là. Je vais chercher un reset. Hop là. Oh putain. Bah, tu vas y aller en marche arrière. On va où ? Je te lâche, tourne. Oui, aussi exactement. Oui, okay. oui. Est-ce que je te lâche là-haut, marche arrière aussi ? Oui. J'ai pas, hein. Il faut plus. Je sais. Hop, parfait. Prends un coup, hein. Super, merci. Je vais me reprendre vite fait. Là, tu as le coup. Et c'est parti. Je pense que je sens le truc, il faut pas que j'aille trop loin. Hop. Si, ah si. Ah, c'est bon, c'est tout. Eh, bien joué. Ah, parfait. Bien joué. Merci. Oh, ça c'est pour toi. Ouais, ça c'est un truc pour moi, peut-être même en marche arrière. Ah ok, ce CP il est dur aussi. Et ça se joue pas sur... Il y a beaucoup de choses là. Enfin beaucoup. Attends, moi je suis dans là, ils ont toutes les infos là en gros. Moi celui-là je l'aurais pas parce qu'il touche pas le sol. Quand je vais là-bas, j'ai pas de moteur. Oh là. Parce que j'ai déjà pas de moteur. On va y aller un peu en marche avant de voir... Oh, j'ai pas assez de speed. Mais je pense qu'il faut que je t'attende ici. J'ai pas de moteur et je pense que toi tu vas en avoir un, mais peut-être pas direct. Ah. Un truc du genre. Ou alors là, toi tu peux venir ici avec tout. Attends, j'ai trouvé un truc intéressant. Mais comment comme ça. Tu peux venir toi. Non. Je pense que j'ai trouvé. Et poc. Non. Ah ouais, tu voulais te poser. Non, je veux reculer. Il y a le turbo juste à droite. Ok. Ah, tu veux reculer. Ok. J'arrive trop fort. Tu es sûr? Tu peux pas juste faire un demi-tour et taper les trucs et repartir dans l'autre sens? Non. Il le laissera jamais. Tu veux vraiment partir dans ce sens-là? En fait, il y a le symbole. Il y a le symbole de la stadium. Il y a un reset derrière. Ok. Mais je sais pas comment passer les boosts. Et je sais plus si quand on les passe en marche arrière, ça je peux les passer du coup, je crois pas. Faut plus de speed. Il y en a certains coups. Mais...
Mais ceux-là, ils ont l'air puissants, je suis pas sûr que ça soit... En marche arrière comme ça, du coup... Ça, ça je sais pas, je pense d'aller pas. Là-haut. Ouais, non. Tu fais un demi-tour sur les turbos, puis marche arrière, non, ça fait pas. Ou alors je me retourne... Non. Déjà, je sais même pas où il faut aller, je pense qu'il faut aller en haut. Je pense qu'il faut que tu montes à l'étage du dessus, ouais. Et pour ça, je pense qu'il faut que tu ailles à travers les boosts. Donc voilà, à travers les boosts. Tu peux pas rentrer par un des côtés ? Non, tu peux pas rentrer par un des côtés. Après, il y a ça aussi. Mais ça, tu as juste pas de moteur. Mais si tu as pas de moteur, enfin... Pas de direction, pas de moteur, là. Ah non. Ah, toi, tu peux passer un peu en diagonale, comme ça. Il y a quoi là ? C'est pas mal ce que je viens de faire. Là-bas, il y a un... Toi, tu as réussi à monter là-haut ? Ouais. Mais j'ai pas de moteur quand je suis en haut. Non merde, j'ai pas pris assez de speed. Parce que moi, si j'ai pas quoi, je peux monter. T'as pas de reset en haut ? C'est ça que... Je cherche. Ok. Ah, en tout cas, j'ai vu le CP. Non, non plus, ça passe pas. Là, t'as quoi ? T'as pas de moteur ? J'ai pas de moteur non plus. Non, mais faut faire quelque chose avec... faut faire quelque chose avec la rampe. Ici, il y a un reset. Cette rampe-là... Bah moi, je peux aller à droite. Elle est particulière, en plus. D'ailleurs, je peux pas besoin de sauter. Je peux juste faire ça. D'ailleurs, je vais le réaliser. Je crois que je peux aller me foutre ici et avoir du reset. Mais pour toi, c'est pas très avantageux. Est-ce que tu peux m'aider à savoir comment passer dans ces boosters-là ? Dans ces boosters, bah je peux me mettre face à eux. Parce que je suis sûr qu'il faut que je les prenne. Mais je sais pas dans quel sens. Pas de direction. Je comprends pas. Quelqu'un a une idée dans le chat ? Pousse dedans. Ça comme ça, je sais pas, ça me fait faire quoi ça. Mets-toi face à moi. Oups. Ouais, bouge pas. Ouais, très non, bien. Non, attends, j'ai le malus. Attends, parce que j'ai le malus. Et c'est pas grave. Ah ouais, essaie de mettre face à moi. Vas-y là. Moi j'ai quand même le malus, putain. C'est pas grave. Tu aurais pas dû freiner par contre. Ok. Pas. Oui. Ah, parfait. C'est passé ? Merci. Oui, c'est bon. Nickel. Ah du coup, quand j'ai demandé, ils ont trouvé. Putain, j'ai moins de speed qu'en faisant un grand tout droit par ici. Si j'avais vraiment fait bien la descente ici, je pense qu'en faisant ça... Hop. Allez. Hop. Il faut refaire mon poulet. Quoi ? Allez, vas-y. Eh oui. J'arrive, c'est pas bon. Et merci, Hélène. Merci pour le quatrième mois. Pourquoi je suis... J'ai deux roues qui ont clippé dans le sol. Il est où? Alors. En fait, ici, pour le coup, ils font pas exactement juste. Normalement, c'est la snow, elle pousse en backward. Merci. Et une fois qu'elle a fini de pousser, elle repart. Et donc là. Ça, c'est plus la way hunt. Est-ce que j'ai juste pas eu de chance? Même ça, normalement, il passe par là. Moi, mais bon, ça, je vais le retenter sans faire de trucs exotiques. Ah, t'as pas réussi à monter ? Non. Putain de cam intérieur. Ah oui, non. Ah non, j'y arrive pas. Il faut refaire. Ouais, je suis là. Ah, mais non, mais je suis con, j'ai reset. Alors que j'avais. Oh, bon, vas-y. Vas-y, bien, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. C'est bon, ça suffit. Et toi, tu prends le tremplin, mais je te vois pas prendre le tremplin derrière, tu passes. Mais non, mais là, j'ai même pas réussi. Ah, t'as pas réussi ? Je me suis pris, en fait, j'ai touché le boost sans faire exprès et j'ai pris le mur. Ok. Parce que j'étais en cam intérieur. Oh là là, j'ai reclippé les deux roues. Bon, allez, j'essaye. De quoi on s'est bien fait bait ? Allez ! En fait, il faut qu'il. Allez ouais. T'es passé ? Non ! C'est bon ? Non, ok. Il faut qu'il counter-steer, mais je pense qu'il. Faudra vraiment que j'apprenne la turtle un jour. Il connaît pas. Ouais, essaye de venir jusqu'à moi, ça me permet d'avoir plus de speed. Oups. Mais c'est pas très grave là, ça allait. Ah ouais, mais du coup, t'as un malus. Ah non, pardon, ouais, j'ai dit une bêtise, arrête-toi devant, j'ai rien dit, reviens et arrête-toi devant. Mais après, c'est pas grave si tu m'emmènes droit parce que je prends un reset. Dès qu'on voit pas le reset. Oh merde, ah, c'est bon. Hop. C'est bon. Bon. Il y a un truc. D'ailleurs, ça pourrait être presque. Ou alors je. Non. Je fais pas la stabilisation. Peut-être frein. Backward et il passe là. Ah, t'as trop de speed.
Et ouais. Non, en fait, j'arrive pas à arriver droit. Mais il faut que, je traîne. Il faut que je vois à quel moment il faut que je commence à freiner. Ouais, je t'attends, j'ai besoin de toi. Voilà, oh, pardon, j'étais en haut en train de mater là. Là, je pense qu'il a pas la tech. Je pense que je te pousse en marche arrière, c'est mieux. Oh putain, je suis désolé. Oh putain, ça marche arrière inversé. Ça va c'est marcher, parti. Voilà. Bon, là, je vais full freiner. Je veux dire, non ? Voilà, je vous dis, à un moment, il va réussir. Allez. Non, c'était trop du coup. Allez, la dernière, on va essayer. 25% accélérateur, 75%. Alors là, pour le coup, je sais pas si tu connais la technique Profox pour en l'air stopper la rotation. Freiner. Alors, non, il y a une autre manière. Freiner, accélérer. Non. Non, alors je sais pas. En fait, si tu tournes en l'air, ça cancel la rota. C'est vrai ? Ouais. Attends, si je... je ne savais pas. Si je tourne... Si je... Bah, tu verras, fais le backflip et fais gauche-droite en l'air. Ah, j'ai pas compris ce que t'as dit. Si je tourne, ça arrête de tourner. Si je tourne, ça arrête la rota. C'est ça. J'ai pas compris ce que t'as dit. Si je tourne les roues... Oui, si ça tu tournes tourne, ça m'arrête de faire des tonneaux. D'accord, c'est ça. Okay. Donc là, tu peux, une fois que tu prends le jump, tu fais gauche-droite en l'air et en fait, ça va bloquer la rotation. Ah, je savais pas, ok. Moi non plus, je savais pas. Ah ouais. Oh la dingue. Je pense qu'il y a plus d'une map pour laquelle... Il y a plus d'une map pour laquelle ça nous aurait vachement aidé, quoi. Mais oh la dernière... La dernière, déjà, on n'arrivait pas à s'arrêter à faire des tonneaux comme ça, en fait. On se disait, putain, mais il doit bien avoir un moyen pour arrêter cette rotation, là. Ouais, bah, il y en a. Ça change tout. Ça change tout, bah ouais. Oh là là. Bah, vas-y. Du coup, je dois te ramener une dernière fois, c'est ça. Mais tu es où, du coup? Moi, je pense que je peux finir tout seul, maintenant. Mais attends, mais tiens. Ouais, je suis en haut, je suis au okay, niveau okay, des... Ok, j'arrive. Viens me chercher du coup, moi je suis pas de oui, non, c'est toi. Et oui, voilà, c'est ça, il faut que je te pousse. Hop. Moi je suis là. Mais ouais, c'est le genre de mecha... Je me suis dit, ouais, là c'est... Il y a certains trucs où je suis un peu en mode, j'ai pas envie de vous backseat. Mais là, oui, je me suis dit que c'était quand même utile, quoi. T'as bien fait, on n'avait pas l'info, on connaissait pas le tricks. C'est de la culture G même, j'ai envie de dire. Kin, c'est pas ça. Paquet. Ah tiens, j'ai vu un logo pour toi. Celui-là, il est pour toi, et donc a priori, oula. Mais est-ce qu'il est pour tout de suite? Ah, intéressant ça. Bon, ça m'a l'air pas mal, écoute. Toi, tu peux passer là-dessous, c'est sur Chobo, là. Pourquoi tu peux passer là-dessous? Alors, pas sous quoi? Ici, sous les super turbos. Tu as reset? Non, tu es où là? Non, je suis là. Là, face à toi, tu as les là, super turbos. Je peux passer turbos. Dessous? Ouais. Et puis, y a moi, je peux pas. Belle stadium. Donc, toi, quand tu vas repasser par la partie du dessus, tu vas toucher tous les turbos et tu vas partir à balle. Mais par contre, pourquoi il y avait un dessin de toi ici? C'est toi là qui est dessiné. Bah, attends, on va essayer. Hein. Mais c'est peut-être pour t'aider toi. Ah non, je suis là, moi. Attends, j'ai trop peur de prendre un finish sans faire exprès. Le finish est loin, en vrai, t'inquiète. Ça va. Ben là, t'as vu où je suis? Moi, je suis placé. Ah, ok. Parce que moi, je suis placé là. Je pense que si tu refais ton début, tu peux venir me percuter. Ah. Me replacer un petit peu. Je sais pas si ça fait grand chose ce que je fais là. Ouais, ça a l'air mieux là. Là, je vois rien. Oui. Oh. Oui. J'ai rien compris à ce qui s'est passé en fait. Ça m'a ramené à mon point de départ. C'est ça en fait. T'as vu en face, là où il y a le logo de la snow là sur le mur. Ouais. En gros, ça fait une loupe quoi. En haut et en bas, c'est relié. Et ça m'a renvoyé sur mes pas. Et en fait, toi, il faut que tu te mettes entre temps sur ta marque et que moi, je vienne te percuter sur ta marque pour t'envoyer en haut. Tu captes le délire? Entre temps? Non, c'est pas possible. Bah, je sais pas. Hein. Tu crois que je peux m'arrêter pendant ma rotation là-bas? Je pense pas, moi. Hein, attends, pas... on va essayer. Hein. Ils ont pas le réflexe du magnet. Je sais pas s'ils jouent avec le son. Combien de temps, tu penses?
Je pense qu'il joue avec le son. 5-6. Non, 5-6. Ah, 5-6, ok. Non, non, j'exagère. Non, tu dois avoir 3-4 plutôt. 3-4. Ah, bon Marseillais. Ouais, ouais. Oh là. Ah oui, après, ah, voilà, ok. Ça va pas. Sur un mur est monté. Et après. Où suis-je? Je suis là, je peux faire ça. Ah oui, c'est bon. Mais non. Ce sens. Merde. Comme oh oui. Oh oui. Je t'ai pas touché. Non. Si, mais je faut que je sois dans l'autre sens. Mais par contre, t'as tempo là, non? Oui, j'ai plus. T'as plus tempo. Ah, ouais, 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 ah, ça ouais, change ouais, tout. Ouais. Bah, alors, ok, non, ça marche. Bon. Allez, on refait du coup. Vas-y. C'est juste que je comprends pas en fait. Les premières secondes, quand tu me percutes, je comprends rien à ce qui se passe. Voilà, il y a ma caméra qui part en live complet. Ok, c'est donc c'est là. C'est passé ou... de ton côté. Ok, alors attends. Oui, oui, un peu. Oui. Je vais me mettre voilà, en place. Dis-moi quand tu es en pause. Mais alors, c'est bon, chef. Allez, c'est parti. Hook. Oh, c'est beau. Oui, je suis passé. À... Non, je suis pas passé. Ah non. Non. Oh, rien. Il faut que tu peux pas monter. Tu passes aussi, hein. Ouais, il faut que tu passes aussi. Ouais, ouais, il faut que je passe aussi. Parce qu'après, ok. Allez, on refait, c'est pas grave. Allez, ouais, ça sonne, Lucky. Hop là. Unix. Il y a des gens, il y a des gens, ils ont fini depuis 10 minutes. Ouais, GG, Ellen et... Ah, mais il y avait des trucs qu'on savait pas aussi, quoi. Ah, c'est pas facile. Non, et honnêtement, pour la découverte d'une bleue, vous vous en sortez bien. Avec vos connaissances et vos heures de jeu, franchement, c'est... Oh bah, merci, c'est gentil. C'est honorable. C'est du plaisir, oh, en tout cas. Je suis passé au-dessus ouais, non, mais c'est... C'est pas bon là, je pense qu'il faut que t'ailles en haut. Ah non, c'est pas bon, hein. Ah bah oui. Hop. Oups. Oui. Non, ça m'a refusé de passer au-dessus. Ouais, mais j'ai pas fait exprès là, j'ai pas fait exprès, je me suis raté. Ok, ok, ok. Ok. Oui. Oui. Oh non. Faut que j'accélère après que tu ouais, en vrai, c'est pas facile à comprendre, je pense. T'as pas très bien aussi. Hein. Ouais, c'est dur de taper parce qu'il y a beaucoup de turbo. Non, je sais pas. J'ai pas la speed. My bad encore. Hop. C'est un peu compliqué ce passage, mais. Super intéressant. Attention. Comme découverte en vrai. Bah, ça change et. On découvre. What? Ouais, c'est chelou, t'es passé? Ah, non. j'ai pas compris. Tu m'as effleuré. Attends, je vais voir ce qu'il fait. Moi, je me suis collé au plafond. Eh ouais, j'ai capté. C'est toi qui es monté en fait. Alors que ça devait être moi. J'ai l'impression que. Oui. Allez, oui, là. Oui, allez. Oui. 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 Où suis-je? Non. Non. Okay. On refait. Oui. J'aime bien en fait que... Mais je comprends rien en fait, après que tu me percutes, j'arrive plus à savoir si j'ai fait un demi-tour, pas un demi-tour, je sais plus où je suis. Moi je disais, on découvre des gens qui jouent le mode et c'est okay. trop bien. Ok, ok, j'ai pu m'arrêter, vas-y, place-toi, ce coup-ci c'est la bonne, vas-y. Et je vais me mettre sur sa POV une fois. C'est bon. Allez. Non. Oui. Oh, oui, ça bon passe. Ah, elle est parfaite. Oui, oui, j'ai pas de volant ici. Donc ouais, fais gaffe. J'ai vu. T'inquiète. Allez, c'est parti. Alors là. Vas-y. Droite. J'espère gauche, que vous êtes gauche, prêts. Non, toujours pareil. Ouais, c'est ça, gauche. Ça peut être oui, très triste. Oui, mais... oh, attends, non y a pas... oh, attends, fais gaffe, y a pas un trou. Y a un trou. Y a un gros trou. Effectivement, j'étais pas prêt de le prendre le finish. J'ai toujours pas de direction et je me demande s'il faut pas que je le prenne à marche arrière. C'est y a la marge ou pas? Bah, attends, moi je. Vous voyez ce qui peut arriver ou pas? Je m'aligne. Mais en fait, marche arrière, c'est surtout quand t'as besoin d'accélération. Ouais, là, ouais, là c'est relativement long, donc je pense que tu vas pouvoir atteindre ta Vmax. Je pense que il faut juste droit, que tu sois droit, ouais, ça c'est le plus important. Tu es droit ou pas? J'ai l'impression, ça a l'air bon. Je t'aligne. C'est bon. Ça sent mauvais, hein.
Ah. Oh là là, que ça sent mauvais, merci pour l'info. Respawn. Respawn. Faut que je te pousse. Non, il faut que. Ah, peut-être. Ou que j'y aille en backward. En backward, je pense que j'ai la patate. Ok. Putain, il est dangereux ce finish. Imagine les deux, ils partent d'un coup. Ouais. Ça, moi, je le passe, c'est pas toi. Je l'ai dit en plus. Non, ça m'a ouais, je pense que j'aurais averti si t'étais parti avant lui. Merci. Mais tu sais que ça va casser quelques runs. Ouais, ouais, oui. Bah, c'est le jeu, hein. Faut faire gaffe. Exactement. Moi, je suis pas. Ouais. C'est bon. Ce coup-ci, c'est bon. Ok, allez. Allez, bah, au moins, il s'est questionné bonne. Sur est-ce que je vais passer, tu vois. Donc. Mais oui. Mais c'est vrai qu'on on peut le choke, c'est vrai. Il y a le nombre de fois où j'ai senti dans la run qu'il fallait faire quelque chose et que je suis pas allé jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Oui, oui. Non. Oh, non, non. Oh, hop. Oh, j'étais tu m'envoyais dans le. J'étais dans nul. Le shoot, tu m'envoyais. J'étais trop nul. Non, il faut vraiment que je m'applique. Il faut limite que je. Ah, j'aurais dû mettre mon action key, je suis con. Pas de plus doux. Ah, on a surpassé dessus. Ouais, en vrai, c'est pas un CP facile parce que ça demande 2 hits et à grande vitesse. Donc, ouais, un peu de précision. Même la précision. Et même outre la précision, juste des fois ça passe pas. C'est les collisions. Trackmania quoi. C'est les... On adore ouais, l'hitbox, ouais, exactement. Là, c'est ce qui fait son charme aussi, je trouve. C'est bon, je suis en place. Allez. Oh, j'ai été mauvais encore, mais non, je suis trop nul. Pour moi, c'est bon. Trop nul. Non, mais moi, non. T'as passé ? Allez, on mais prend. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, grave, non. Non, mais je m'en fous, j'ai envie d'aller. Oui. Ah. Oui, c'est bon. Allez. Bien au centre, je prends mon temps. C'est bon, je suis en place. Voilà. Allez. Voilà, c'est beau ça. C'est bon. Oui. Magnifique. Du coup, donc, pour le finish, tu optes pour la marche arrière ou pour que je te veux pousse. Me pousser. Oh putain. Mais moi, j'ai un. Je suis pas sûr que la marche arrière ça fasse. Parce que la marche arrière c'est bien sur des courtes distances. C'est pour ton accélération. Ouais. Je sais pas. C'est toi. Après, c'est toi qui connais la snow. Bah mets-toi face à moi, non, je vais en marche arrière et tu te mets face à moi au cas où. ça fait d'une pue, pierre deux coups. Hein. Ça pue ça. Hein. Pourquoi tu crois que ça te parce qu'on va se décoller en l'air, il y en a un qui va passer pas l'autre. Ouais. Bah laisse-moi tester un backward d'un coup. Comme ça c'est le plus allez, sûr. Allez vas-y, comme ça on essaye. Ouais. Et mais attends, ouais moi normalement je peux le passer tout seul quand même. Je pense, large. Allez vas-y, je te mets sans en place. Sans aucun souci. Je te mets vas-y. En place. Vas-y. Ok. C'est trop. Oula. Ouais oui. Mais me mettant face au mur, je pense que c'est pas mal. On me met ça dans la lumière. Ouais, je pense que je suis bien. Allez, vas-y. Putain, j'ai peur. Allez, c'est parti. Et oui. J'ai bien joué. Oui. Mais est-ce que la stadium passe toute seule? Oui. Ah, ça, c'est attends, la question. Ben, est-ce que Profox passe tout seul? Parce que la stadium, peut-être. Moi, je sais pas. Je suis capable de... Allez, j'y vais. Vas-y. Aya. Ah, yes, bon. Bien joué. Yes, ouais. Bien joué. Bon, bah, c'est cool. Quand même sportif. Ouais, elle est vachement bien. Eh bah, allez, franchement. Mal, ouais. Surprenant. GG pour votre découverte, c'est trop intéressant de vous voir trouver, réfléchir et vraiment une approche différente en tant que ouais, joueur intermédiaire, quoi, on va dire. Franchement, je pense, ouais, c'est ça qui nous différencie. Ouais, ouais. Non, j'ai beaucoup aimé. On met peut-être un peu plus de temps pour la discover, mais après, on aime bien tryhard. Ouais. Elle donne envie de tryhard celle-là? Il y a des petites choses, ouais, ok. Tout en vrai, hein. Ouais, en fait, mais c'est franchement, ça. Oui. Bien sûr. Moi, j'ai un peu peur des deux hits sur le dernier CP, j'avoue que. Ça va être dur. Il y aura un petit peu de random, non. Mais. Moi, je trouve ouais, que ça marche. Ouais, il faut bien qu'on s'aligne. Il faut bien prendre le temps, peut-être, de s'aligner. Ouais, c'est ça, je pense. Franchement, moi, ça serait good.
quand je te hit en premier, je trouve que c'est très tolérant, parce qu'il y a plein de fois où je t'ai tapé n'importe comment et c'est passé. Mais c'est parce qu'il y a tout le plafond qui est aimanté aussi. Ouais, et là j'ai bien. Et après, toi, le deuxième hit avec l'action key, ça passe quand même, non? Ouais, ça allait mieux sur la fin. Il faut bien que je me sente dès le début, je m'aligne dès le début, proprement, que j'ai juste à rectifier très légèrement la trajectoire. Et après, c'est le tout droit. Globalement, il ne faut pas que je panique au dernier moment, voulant rattraper avec un gros coup de volant, comme je le fais souvent. Peut-être mettre, trop sensible, cette voiture. Peut-être mettre un petit peu plus en lumière le moment où je dois passer dans la fente, là, contre le mur pour me retrouver sur le dos, je crois. Ouais. CP7, 6, 7, je sais plus. Vous voulez faire quoi là? Ah, mettre peut-être un petit truc qui indique. Ah, le trou? On aurait eu du mal à trouver. On aurait eu du mal à trouver, mais après. Moi, avec la cam 7, j'aurais trouvé vachement vite. Oui, c'est juste que là, je veux le jouer et j'ai pas voulu utiliser la cam 7 pour essayer de voir ce que ça faisait. Je l'avais jamais fait en plus, donc c'était un bon exercice que de voir un petit peu ce que ça faisait que de ne pas cam 7. Après, il y a les voitures sur le mur. Il y a le mur de couleurs différentes, il y a le néon. Je pense qu'à force. Globalement, tout est bien indiqué. Ça allait. Hein. Franchement, moi, ça va. Après, le problème, c'est que la strate du magnète, où les deux vont sur le magnète, ça peut passer avec de l'acharnement. Oui. Donc, c'est un peu plus le problème que j'ai. Mais, ouais. Et sinon, ouais, bah, y a le micro-cut aussi qu'on a trouvé. Mais au final, on a trouvé Taoué en plongeant dans le néon. Mais c'est vrai que ça... Ah oui, et puis surtout que ça te setup pas sur le dos pour aller te placer sur le mur aimanté, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Ouais, non, justement, c'est pour ça que ça demanderait un peu de hit pour que la stadium soit en turtle. Mais vous avez eu l'idée d'aller là-bas. Il faudrait peut-être que depuis le passage, je sais pas trop. Pour l'instant, on va laisser comme ça, mais je vais voir les autres découvertes. Non, elle est bien agréable. Moi, j'aime bien parce qu'à plusieurs fois, il y avait plein de paths possibles. Ce qui fait que tu peux aller explorer un peu chaque path, te rendre compte à quel point t'es bloqué ou si c'est pour l'autre, etc. Et c'est vrai que ça donne un peu un truc, pas labyrinthe, mais un truc où t'as plusieurs possibilités. Quoi. Ouais, mais au global, vraiment un gros GG à Yogg, du coup, pour la map. Oui. Ouais. Puzzle Lab. Merci Ami pour la map. Merci à tous d'ailleurs, et toi compris Yannex, pour toutes ces maps à chaque fois. Ça demande pas mal de temps de mapping. J'assiste à ça de temps en temps sur les streams. J'ai même essayé de mapper un petit peu, mais j'avoue que c'est pas évident. Merci encore pour tout ce temps accordé au mapping et pour nous faire ces cartes et qu'on puisse nous profiter après de ces expériences, parce que c'est vrai que bah, ça nous amuse et ça nous occupe pas mal en fait. Hein. Pour ne pas dire la majeure partie de notre semaine, dès qu'on a un petit moment, en fait, on se cale quelques runs en mode coop plus que sur le mode campagne, sur une RPG. En fait, dès qu'on est tous les deux connectés, on fait de la coop systématiquement. Donc, on est content qu'il y ait plein de contenu et qu'il y ait du monde qui map. Donc, merci à tout le monde. On n'avait pas eu l'occasion de le faire depuis fois et j'en profite pour le faire. Eh ben, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. C'est ce genre de retour. Zen, on a bien séché ces maps aussi. Ouais, Zen Lane. Exactement. Peut-être qu'avec la rallye, il va sortir quelque chose. Il m'a dit pour l'instant. Alors, je tease rien, mais je l'avais demandé avant que la voiture sorte s'il était peut-être motivé à faire une map, parce que je sais qu'il fait des très bonnes maps et il m'a dit qu'il adore mapper. Mais pour l'instant, il a rien de prévu, mais je crois qu'il a sorti un setup à tester, donc je pense qu'il doit être. Il doit être sur quelque chose. Il a dû commencer quelque chose quand même. Bon, tant mieux. C'est bon à savoir. On va aller à la pêche aux infos. Non, en tout cas, merci beaucoup à vous et votre bonne humeur surtout pour cette découverte. Ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir pour nous aussi. On joue pour le plaisir. Ah. Bah, on voit que vous prenez du plaisir. Que vraiment, non, trop cool. Bah écoute, l'expérience a été bonne de notre côté aussi, je pense. Donc, on renouvelle l'expérience avec grand plaisir à la prochaine où tu as besoin de monde pour découvrir la map. N'hésite pas à nous ressolliciter, ce sera un plaisir pour nous, je pense, que de reparticiper à une découverte. Donc, yes, j'y penserai sans souci. Encore merci pour tout. Du coup, je vais dire au revoir à YouTube. YouTube, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé de cette découverte, justement un petit peu différente avec peut-être des joueurs. Un peu moins expérimenté au niveau des tricks et de la conduite, etc. Mais encore une fois, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est vraiment juste intéressant. C'est plus intéressant et surtout peut-être que
ça pourrait motiver des joueurs à se dire « Ah, mais moi aussi, j'ai un petit niveau... » Enfin, un petit niveau... en mode... ah, putain, mais je sais jamais comment dire ça sans dénigrer. C'est juste que nous, on a un niveau, je pense, qui est plus représentatif de la moyenne des joueurs, tu vois. Voilà. Et comme quoi, on peut quand même prendre du plaisir, même si on n'est pas forcément... Exactement. On n'a pas besoin de connaître forcément tous les tricks et toutes les tips pour pouvoir venir se frotter au puzzle. La plupart du temps, c'est accessible à tout le monde. Il y a quelques maps qui sont un peu plus dures. Je pense notamment à Black Ice et aux deux rouges qui sont sortis. Mais sinon, ah, c'est pour ça qu'on a instauré... C'est pour ça qu'on a instauré la couleur sur les maps. C'est une très bonne idée d'ailleurs, hein. Comme ça, ça annonce dès le début, on sait à quoi s'attendre, s'il va falloir beaucoup tryhard, s'il va falloir du temps ou non, mais c'est vrai que globalement, c'est hyper représentatif et tout le monde est capable, sans avoir joué, d'aller faire jusqu'aux maps bleues, vertes, sans aucun problème. Vous avez réussi à Black Ice ? Oui. Bien sûr. En combien de temps ? C'est pas... Ben notre meilleur run est au... des 50, je crois. On n'a pas amélioré les 50 ? Ah ouais, honnêtement, c'est... On avait bien kiffé cette... Je peux quitter la map ? Bien sûr. Je vais aller te dire. Bien sûr. Parce que Black Ice, franchement, là, je l'ai bien aimé. Je l'ai même trouvé presque plus facile que la rouge. J'ai plus le nom de la rouge d'avant. On a mis 4 heures pour la faire. En tout cumulé, parce qu'on a fait 3 tries sans les finish, on a dû mettre 8 ou 10 heures. En fait, Redstone, elle est pas dure, mais elle dure longtemps, c'est surtout ça. Ouais, prenez un litre d'eau, un petit sandwich et installez-vous, quoi. Mais en fait, c'est surtout... Redstone, en vrai, c'est la première map puzzle que j'ai commencé à faire, et du coup, il y a toutes les idées dedans, et c'est la map la plus longue. Mais en fait, je savais pas à quel point on allait partir sur des difficultés... je sais pas, avec les collisions, typiquement Redstone, il y a une chenille, enfin on appelle ça la chenille, mais c'est quand il y en a un en austère et l'autre en roue libre. Oui. Bah ça, on l'a découvert que à la toute fin, et du coup je l'ai mis sur les deux derniers CP. Oui, mais tout le reste du temps, j'avais pas découvert ça, et c'est pour ça que je l'ai mise en rouge, parce que je savais pas en réalité si ça allait être une, peut-être au fur et à mesure, ça allait être une map simple, mais ouais. Elle n'est pas si dure, en fait. Le plus dur, c'est d'avoir le temps de faire les 30 CP, comprendre le pass à travers de 30 CP, surtout quand on n'a pas une grosse expérience. Il y a des moments où on ne savait pas s'il fallait se laisser tomber sur le booster. Au début, à la fin, on a testé des trucs qui n'avaient pas de sens, en fait. Donc, on allait taper des rires. La marche arrière. Ouais, en fait, il y a plein de petits tips ou de petites astuces ou de petits peaufinages, mais avec du monde qui font la map ou avec une vidéo YouTube, si vraiment on bloque, on ouvre YouTube, il y a toujours une des vidéos où tu fais la découverte avec quelqu'un et on finit toujours par avoir du coup une méthode pour pouvoir passer, quoi. Donc c'est faisable, même les maps les plus dures, il faut juste être un peu plus, avoir l'âme d'un tryharder, quoi, et avoir envie de se frotter à quelque chose de plus difficile. Black Ice, 31 minutes, troisième Ah ouais, voilà. Il y a un ex en première position, je le compte pas, en catégorie. Et juste devant nous, il y a Sekai Nusushi et Bastor à 29 minutes. Ah, on était juste derrière. Donc ouais, on pourrait la refaire aussi. On avait bien train les sections. Non, mais à chaque fois, on est écœuré. Enfin, on est écœuré et en même temps admiratif, quoi. Parce que nous, on pense avoir fait des temps de fou, puis t'arrives, en une soirée, tu détruis tous les records. Ouais, désolé. Mais non, mais... moi, c'est plaisant de voir. Non, mais oui, c'est trop plaisant. Très bien joué les maps et optimiser tout ça. Ouais, Pillars, je pense pour l'instant, Pillars, c'est la map que j'ai vraiment aimé Hunt. Vraiment, trop stylé. D'ailleurs, il y a Tunix qui a repris. Tunix et Inos qui ont repris le WR. Ben sur la dernière map, elles l'ont toujours d'ailleurs. On a refait un try là, sur la dernière rouge qui est sortie justement aujourd'hui. Donc on est allé chercher la troisième et la quatrième place juste derrière Inos et Tunix. Ah et ouais. Et on a arrêté les tries juste avant de stream, mais sinon on aurait bien recalé quelques tries, essayer de faire un peu d'ombre à Inos et Junix qui ont fait un bon try, mais qui reste optimisable, ouais. Je pense. Non, mais il y a de quoi faire sur des maps. Non, mais en tout cas, trop content que ça vous plaise. Encore une fois, je vais dire au revoir à YouTube parce qu'on a repris. On digresse. Allez, sur ce YouTube, pense à t'abonner et à liker. On se voit très vite. Ciao ciao. Salut YouTube.